friends at the table, doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put venom in on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with you. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Can they fill up your bag and I'll fill up a plate? We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And even get in the taxi, the kids in the backseat, tell the driver make it ready to play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Bonjour à tous. Bon, la pression, ce fut un match qui a bien démarré. On a bien mis la pression haut directement. Cela s'est concrétisé avec un but assez rapidement, ce qui facilite nettement le match. Parce que quand on met 1-0, la suite, c'est nettement plus facile. Après, on a bien fait circuler la balle rapidement. Leur bloc devait reculer. Ils n'arrivaient pas à suivre spécialement notre jeu. Par la suite, on les a laissé un peu revenir. Ils ont eu une occasion en première mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, ils sont revenus. C'était à eux à essayer de mettre absolument le but. Donc, ils nous ont mis le pressing. Certes, on a joué un peu plus long, mais ça s'est bien passé. Puis nos changements ont apporté de la fraîcheur dans le match.
ce qui a permis d'aller faire le 2-0. Voilà, bon, là pour l'ensemble du match, l'impression que je ressors. Le terrain, oui, c'est chez nous, c'est pas facile, car chez nous c'est notre territoire, c'est à nous. Si on avait un terrain en meilleur état, cela serait plus facile, mais bon, il ne faut pas oublier que le terrain est pour les deux équipes. Donc c'est à nous à nous adapter également, à essayer de profiter tant qu'il est encore en bon état en début de match pour faire la différence. Et après, on sait bien que le terrain va se dégrader et cela sera plus difficile. Après, au niveau des articulations, ben, on travaille ça au mieux la semaine pour éviter les blessures. Donc on fait un travail spécifique quand c'est possible. Mais voilà, pour le terrain, bon, après je laisse les personnes concernées travailler sainement dessus et nous le refaire au mieux. Arthur va bien, il a le sourire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, bah, il a eu plusieurs tacles assez durs sur lui lors du match contre Ostert. Il a pris un gros coup sur le genou à l'intérieur. On est rentré parce que l'adversaire était également en infériorité numérique. On était à 2-0, on n'a pas pris de risque là-dessus. Pour faire directement les soins dans les dernières minutes, c'était plus intéressant de faire cela. Et puis, il ne se sentait pas apte à continuer sur le moment, car la douleur était trop vive. On a fait les soins tous les jours et à l'heure actuelle, ça va. Il va reprendre avec le groupe sans aucun souci. Et il sera prêt pour ce dimanche. J'ai trouvé que l'équipe a bien commencé. Ils ont bien fait circuler le ballon, comme le coach avait demandé. Après, on a marqué tôt, comme ces derniers temps, ça arrive beaucoup. Et puis, voilà, ils ont bien mené le jeu. Je trouve que l'adversaire n'avait pas vraiment de chance d'arriver au goal. Ils ont eu, je pense, une seule occasion. Et voilà. Je pense peut-être au début pour les joueurs qui ont commencé et que ça allait encore. Moi, surtout quand je suis monté sur le terrain, je trouvais que c'était très lourd. C'est normal, il y a beaucoup de tacles, il y avait beaucoup de pluie aussi. Et voilà. Oui, alors on a bien démarré. On a bien fait circuler la balle. On a gardé notre philosophie de jeu. Après, comme quelques matchs en arrière, ça fait qu'on marque vite. C'est super, ça nous met en confiance. Après, je reçois un super ballon aussi, juste à la mettre à fond. Et voilà, ça fait plaisir. Oui, ça va, après, on s'adapte. C'est encore mieux quand il est comme ça que quand il est très dur. Après, la balle, elle saute beaucoup. Là, ça va encore. On s'est adapté, on joue court. S'il faut jouer lent, on joue lent, on s'adapte. Oui, bien sûr, ça fait du bien à l'équipe. Ça te fait du bien à moi aussi. Après, le plus important, c'est de gagner, de passer le prochain tour. Peu importe qui marque, le plus important, c'est qu'on passe le prochain tour. Bah, à moi, enfin, on m'a goûté de voir circuler avec l'os. On a l'aube. Mais à l'aube. Bon, allez. Marin Fosse. Ja, also am Anfang war es ganz gut gegangen, mir noch den Ball zirkulieren gelassen. Ich fand ihn direkt, ich fand ihn nicht zu gut geschossen. Das gibt direkt Confiance von der Equipe. Und dann nur zu top, das voilà, war ein entscheidender Goal geschossen. Und voilà. Ja, es war mehr Müdigkeit. Und dann, wie das faire Spieler sind, müssen nicht mit Platz in einem anderen, dass sie 100% racken. Ja, mal gucken, schauen wir nach Training, fährt Training an und dann mal gucken, ob ich noch dabei bin oder nicht. Und ja, ich hoffe, noch Spiele.